Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopard. Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki, to fungwani misolelo. Tomoni bozo banyo soto sali Poya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, ebongi to sala Compte rendu du Conseil des ministres Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Bazouélé Professeur Ingénieur Jean-Robert Nzanzabombiti a présidé la sixième réunion du Conseil des ministres ordinaire du gouvernement provincial ce vendredi 26 août 2022. Quatre points ont constitué la charpente de l'ordre du jour, à savoir communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, état des lieux de la province, présentation des activités des ministres provinciaux selon l'approche de performance des suivis des activités de la province, ainsi que les relevés des décisions. Avant d'entamer sa communication, Son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces a présenté son souci de matérialiser les programmes d'action du gouvernement provincial à travers chaque ministère provincial selon les cibles avec une approche fondée sur l'efficience en hiérarchisant les priorités selon les attentes de la population. Son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces souhaite que les actions gouvernementales au niveau de chaque ministère provincial répondent aux objectifs du programme d'action du gouvernement provincial. À cet effet, il insiste sur la finalisation du plan d'action stratégique de chaque ministère provincial pour un monitoring efficace de l'action gouvernementale. S'agissant de l'état de la province, prenant la parole, le ministre provincial à charge de l'Intérieur apporter à la connaissance du Conseil que la situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble de l'étendue de la province. Cependant, au niveau du territoire de Poco, il est noté l'interception récurrente des différents mouvements des sujets étrangers qui tentent d'assurer la prospection minière de manière illégale. Partout dans l'ensemble de la province, les travaux communautaires enregistrent un succès. S'agissant de la présentation des activités gouvernementales, les différents ministres provinciaux ont présenté une vue d'ensemble, l'approche de suivi des activités des différents ministères qui doivent se répercuter au niveau territorial et local. Quant au relevé des décisions concernant l'interception de la tentative récurrente de prospection minière par les sujets étrangers, Son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces a recommandé aux ministres provinciaux en charge de l'Intérieur et des Mines de renforcer les mesures de sécurité et de surveillance aussi bien au niveau des différents échelons de nos six territoires pour interdire toute tentative de prospection ou reconnaissance illégale dans les sites miniers sans l'autorisation de l'administration minière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté la décision. Commencée à 11h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h juste. Irsi Lelodi Makungu, ministre de l'Environnement, Mines, Communication et Presse, porte-parole du gouvernement provincial. Je vous remercie. Ebongi to sala, ebongi to sala, moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Kongo ya bwanya, kasa ya mbila. Kongo ya makasi, moto ya nkoi.